Bonjour à tous et je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans ce Let's Play de Red Dead Redemption. La dernière fois on avait fait des missions et c'est ce qu'on va faire encore aujourd'hui parce que j'ai envie de progresser un peu dans la trame de l'histoire. Je trouve que ça va pas assez vite, je m'attarde trop sur les secrets. Oula, doucement. Je m'attarde un peu trop sur les secrets et du coup l'histoire avance pas des masses. Donc là on va commencer les missions pour une rebelle qui s'appelle Luisa Fortuna. Yeah. On va aller voir ce qu'elle a à nous dire et ce qu'elle a à nous demander aussi. Le gardien de ma sœur. Ça ressemble à un mauvais titre de film. Comédie familiale. Bah. Señor Marcel, mamá, papá, este es el gringo que me salvó. Je crois que j'ai les chiffres à peu près. My family is indebted to you. Forgive my English. Non, t'en fais pas. What's happening? Great and terrible things. The revolution is coming. The country will be in turmoil once more. This time, we hope it's the last time. Does that seem likely? With Abraham Reyes, anything is possible. Reyes. Where's your family going? My parents and my brother are headed to the hills. My sister has to flee. The army have an unfortunate way of treating women. And you? Don't worry about me, Mr. Marston. I'm living in history. I'm not afraid to die. Your nobility is almost as affecting as your naivete. I would rather be dead than a cynic like you, Mr. Marston. I would too. I knew you would really like that. You saved me. Luisa, ¿quién va a salvar a Miranda? Tenemos que llevarla al puerto, su barco sale a la noche. Eh, pas de messe basse en espagnol, je comprends rien. Can I ask one more favor of you? Oui, bien sûr. Can you take my sister to the docks? We're sending her to work for a kind man in the Yucatan. She's too young for revolution. Okay. Anything I can do to help out? The boat leaves at sundown. Miranda. Vamos al flamenco. Adiós, Miranda. Ten cuidado. Adiós. Oh, c'est déchirant, mais je comprends rien du tout. Emilio works as a driver. On va prendre la diligence d'Emilio, il est conducteur. Ok. Ah, on a une limite de temps apparemment, ça pue. Prenez place de conducteur sur la diligence. KK. Ok. J'aime pas les diligences. Ok, c'est bon, ils m'ont mis le GPS. Ah, ça tourne pas, c'est saloperie. Rejoignez l'embarcadère avant le coucher du soleil. Eh ben, ça promet d'être épique. Surtout que... Ah, il y a des ravins un peu... Oh, bordel. Pardon. J'ai pas voulu faire ça. Ah, je suis un peu en stress là parce que... Je me sens pas à 100% là. Act normal. It's nothing to worry about. Te conozco. Eres un pinche rebelde. Oh oh. Dispare! No me dejen escapar! Oh oh. Accélérez. Non. Ok, t'inquiète. On se fait canarder et j'ai pas le temps de répliquer. Je sais pas si je peux répliquer. Sachant qu'on est sur une diligence, que je sais pas du tout quelle arme j'ai d'équipée. Ok, carabine équipée. Si jamais je peux sortir et faire un petit coup de dédaille. Vos chevaux restent sur une route si vous êtes en train de viser, mais pas forcément celle de votre itinéraire sur la carte. Ah, d'accord. Ok, c'est bon à savoir ça. Ça, je le savais pas par exemple. Des fois, il y a des messages, des astuces qui s'affichent comme ça. Ok. Ok. C'est pas bon. Oh putain, elle s'est pris une balle dans la tête, la pauvre. Ok, on continue. Ouais, tu t'es pris une balle dans la tête, c'est pas grave. Tu t'es défiguré à vie. On réparera ça avec de la chirurgie esthétique. Quand les médecins auront inventé ça. Tu risques d'être un peu vieille par là. Oula. Ok, apparemment j'ai eu un petit bug avec le PVR. Ça a l'air d'être réglé. J'espère que ça va pas le faire trop souvent, il doit y avoir un petit souci de câblage. J'ai paniqué pendant un instant, j'ai cru que... Ben, j'ai cru le pire. Donc on va reprendre, on va espérer que ça va pas se reproduire. Ou en tout cas pas tout de suite, à la toute fin si possible. J'entends qu'il y a le vent qui frappe, donc il y a de l'orage en fait. Ok, faut que j'aille par là. Par là. Il y a de l'orage, donc je me demande si c'est pas le courant qui est en train de lâcher, c'est en train de me faire un peu peur. Ouais, t'inquiète. Oh, putain, c'est vraiment tortueux comme route, hein. Oh là là. Vite. On est bientôt à la moitié du temps, mais ça devrait jouer. J'ai plus peur pour ma santé que pour
Bah que pour le reste. Oh vite, vite. Putain, faut que je fasse quelque chose. Hop là. Hop là. Hop là. Ok, vite, on continue, on continue. Vite, 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 vite. Ah, il fallait absolument que je m'en occupe, sinon je pense que je serais mort. Et c'est pas cool de mourir. Oh putain, encore un bloqué, encore un barrage. Je vais jamais y réussir. Ouh. Ils vont sûrement me courir après, faut que je fasse gaffe, faut que je surveille, faut que je me prépare à ressortir une action. Vite, vite. Allez, train. Oh là, j'espère qu'il n'y a pas un train qui va passer au même moment. Wow. Ouh. Eh ben, c'est vraiment bordélique comme route, hein. J'arrive pas à y croire. Ok. Ok, je vois vraiment rien, mais je vais faire confiance au GPS, hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est comme route, ça, encore. Oh, ça va, apparemment. Putain, on se croirait dans Crazy Taxi ou je sais pas quoi. Oh boy, oh boy. Non. Bon, ok, t'as rien vu. On s'est pas croisé, il s'est rien passé, d'accord. Brave type. J'ai l'impression qu'il va pas me poursuivre, de toute façon je crois pas qu'il y arrivera. Parce que j'ai vraiment merdé pour le coup, c'est juste que je m'y attendais vraiment pas. Doucement, les chevals. Oui je sais, on dit chaud. Ok. Donc quoi? C'est bon, on est en sécurité? Bon, probablement. D'accord. Peut-être. Hein? Boy. Elle s'est pris une balle dans la tête, mais elle est encore en vie. Hein. Franchement, c'était beau, ça. On dirait que les Mexicains sont plus résistants qu'il n'y paraît. Good. Plus 75 de réputation. Ah, il y a une petite maison ici. Je crois qu'elle m'appartient déjà. Si elle ne m'appartient pas, je vais l'acheter. Je vais regarder sur la carte. Maison. Filtre. Attends, c'est quoi? Merde. Légende. Ouais, non, c'est pas celles qui sont... Ouais, c'est les bleus. C'est les bleus qu'on peut acheter ou louer. Je me demande s'il y a un coffre qui traîne ici. J'aimerais bien voir si je peux trouver des balles de rolling block dans un coffre. Vu que c'est une propriété, il y a sûrement un coffre quelque part. Ouais, là, juste là. Ok. Qu'est-ce qu'on a? De l'argent. Ouais. C'est tout? De l'argent pour s'acheter des balles alors. Ok, bah alors je pense qu'on va faire... Ah, et d'ailleurs on va laisser tomber cette diligence parce que j'ai pas envie de me la traîner encore plus longtemps. Viens Michael, tombe pas dans la flotte. J'aimerais pas que tu te suicides inopinément. J'aimerais bien faire un petit arrêt shopping quand même. Est-ce qu'on est sur la route d'une ville? Pff, ouais, la plus proche est ici, mais il y a même pas... Il y a un service, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'armurier, donc c'est un peu une perte de temps. Ici, on a quoi? Pareil, un service, mais pas d'armurier. D'ailleurs, j'aurais pu aller le prendre, ce service, mais bon, ma foi. Apparemment, la seule armurerie, c'est là où je suis allé la dernière fois. Et il y a le mec, il a fait son magnifique plongeon dans une barrière. Ah, il a pas dû kiffer, hein, mais bon. Je vais y aller faire un petit tour, parce que j'ai vraiment envie de m'approvisionner à la fois en munitions et en armes nouvelles, s'il y en a. Parce que, oui, les armes s'acquièrent aussi par les achats, et vu que j'ai des sous, autant en profiter. Je sais que c'est une petite perte de temps, surtout que je parlais de faire des missions, mais... pour le bien des missions, je pense qu'il est temps de s'équiper de quelques armes, peut-être avec un potentiel plus dévastateur ou plus intéressant, je ne sais pas. En tout cas, moi, je sais les armes qui nous attendent, et il y en a une en particulier que j'attends impatiemment. Mais ça sera pas avant, vraiment, le dernier quart du jeu. Donc, on a le temps avant de l'avoir. Alors, on va se diriger à l'armurerie en évitant d'agresser violemment le proprio. En espérant qu'il se balade pas en dehors de son magasin aussi pour... Putain, mais arrêtez, les mecs. Ça devient lassant, là. Non, ça devient pas lassant. Non, c'est pas l'armurerie, ici. Ça y ressemble, mais c'est pas ça. Ok, c'est ici. En espérant qu'il soit là. Hi. Parlez à l'armurerie. Qu'est-ce que nous avons là? De la dynamite. C'est pas cher en plus. Allez, on va en acheter 5 bâtons. Et c'est le max. Donc ça règle le problème. Oh, pistolet semi-automatique. Donc je crois que c'est un Mauser. Pistolet allemand révolutionnaire. Très bonne cadence de tir, mais attention au recul. Ouais, c'est un Mauser.
Enfin, je crois, hein, je suis pas non plus un expert. On va l'acheter, parce que c'est cool. Et on a un fusil à verrou, mais je commence à avoir... Ah bah attendez, je peux vendre des trucs peut-être. Je crois que j'ai récupéré de... Ouais, exactement. Lord Jackson. Or, en bas, remis au général de brigade Ambrose Jackson Hood. On va le vendre. Ok, c'est vendu. Or de Calhoun. Oh, Barney Calhoun. Or, en bas, remis au général de brigade Andrew John Calhoun. À vendre. Or de Tubman. Or, en bas, remis au général de brigade Jefferson T. Tubman. Ok, maintenant on a du fric, alors on s'achète le fusil à verrou. Fusil militaire contemporain, très puissant et précis, sa culasse mobile facilite le tir et le rechargement. Good. I like that. Fusil semi-automatique, 500$. Pouh. Fusil semi-automatique tire des chevrotines puissantes en salve rapide dévastateur à courte portée. C'est un bon investissement. Monsieur est bien équipé, exactement, oui. Fusil de précision, des balles, on va en acheter autant que possible. 5 quantités, hop. Fusil à pompe, pareil. Hop, on a encore quelques sous. Carabine, pistolet, on en trouve régulièrement, donc c'est pas la peine. Ok, on va y aller. Cool. C'était un peu cher, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que nous avons alors? Fusil à verrou. Moins de balles que... Moins de balles que le spring... Non, non, attendez, je me gourre. C'est pas une carabine, ça. Si? Je suis en train de délirer, là. Elle est où, ma Winchester? Ah, elle est là. Putain. Winchester, oui, non, c'est une carabine. Il y a moins de balles dedans, alors je sais pas si comparativement la... Je crois qu'il y a plus de puissance, plus de précision, mais moins de balles. Oh, merde, j'aurais pas dû faire ça. Désolé, 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 désolé. Ouh, c'est bon, il a rengainé son flingue. Assez d'accidents en ville. Oh non, ouais. C'est sérieux, c'est bon. J'ai pas besoin d'être encore recherché. D'ailleurs, je vais faire gaffe en... J'ai cru entendre un mec hurler. Je pense que c'est l'action de sortir mon flingue qui l'a fait partir en courant. Mais va, reste pas dans le passage, tu vas encore faire un... Non, c'est bon, ça y est. Je suis allé assez lentement pour toi. Ok, on va retourner voir Louisa. Louisa Fortuna. Où est-ce qu'elle est, Louisa? Oh, elle est loin. Heureusement, on a la technique ancestrale du voyage rapide avec nous. D'ailleurs, je pourrais prendre une diligence, vu qu'elles sont gratuites maintenant. Ouais, allez, une petite diligence. Hop. Non, ça, c'est pas une diligence. J'ai failli voler une diligence. Ça aurait été dommage. Ok. Désolé, Michael, je vais devoir me passer de toi pour l'occasion. On va monter. Repère. Gratos. Ouais, c'est free. Je vais profiter pour boire une petite gorgée de thé parce que j'ai soif. Ah, le thé, c'est la santé. Passer le trajet, bien sûr. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant. Qu'est-ce que c'est, je sais pas, des fois, j'oublie des détails essentiels comme éviter de faire des trucs chiants. On est arrivé à destination. C'est good. Attention, où tu vas? Où tu vas là? Où là? Ok, ouais, saute la petite barrière. Ok, nouvelle mission. Un sauveur doit-il mourir? Oh, Mr. Marston! Mr. Marston! What's wrong, Louisa? I don't wait for myself, but for my country. Abraham Reyes has been captured. Yes? He was coming to meet me at Roca Madera. It's a very romantic spot. Uh-huh. It was a beautiful night. Yet he was ambushed by patrol. My heart is breaking, but I cry for Mexico. Eh ben. Prends ça très au sérieux. El Presidio. Hein? You know, in our hearts we are married already. But his family do not approve. How could they? When I'm little more than a peasant girl. But that's what makes Abraham the man he is. He doesn't care for their bourgeois, snobbery, or elitism. He sees the real me. The woman. I'm sure. I'm going to go and rescue him, or die trying. Well, I don't think that's such a good idea. Ride with me to near the jail. We'll figure out how to rescue him. Whoa. Mr. Marston, you're truly a friend of this land. Je suis ami avec quiconque qui est ami avec moi. Moi, je veux bien être ami avec quiconque, hein, mais si vous me cherchez des emmerdes. Je peux prendre mon cheval ou je suis obligé de prendre une carriole à la con? Ah, bien sûr, ouais. Côté passager, heureusement, on pourra passer le voyage, j'espère. Ou alors, elle a des choses à nous dire. Est-ce qu'on doit aller loin déjà? Est-ce qu'on doit aller loin? El Presidio, c'est où?
Ok, c'est genre super loin. Passez le trajet, merci. Non, mais parce que autant j'aime bien les échanges entre les personnages des fois, autant bon, au bout d'un moment. Surtout que je considère pas qu'elle est un personnage qui a vraiment quelque chose d'intéressant à dire, parce qu'il y a un fond qui n'est pas évoqué dans ce jeu. Il y a un fond politique qui n'est pas évoqué, et on aura accès, on va dire, au dialogue important que je laisserai plus tard dans le jeu. Parce que là, l'histoire du Mexique... T'inquiète, j'y vais. Ok. Ouais, ça continue de parler pendant que moi je me faufile jusqu'au mur. Alors ça, c'est une mission que je me souviens avoir recommencé des dizaines de fois, je sais plus pourquoi. Ou alors c'était pas celle-là, je crois que je confonds. Rejoignez la position de tir, ça me plaît. Garde profil bas parce que bon, c'est dangereux. Oh, un fusil rolling block. Je crois que je sais ce que nous allons devoir faire. Achever le bourreau. Où est-ce qu'il est? Attends, je vois rien là. Je vois rien du tout. Ouais, attends. Ah. Attends. Il est vraiment super... What? Il était vraiment super près de lui, quoi. Il était vraiment collé à lui. Comment tu veux que je lui tire dessus? J'ai l'impression qu'il était un peu bugué. Attends. Non. Rolling block. Putain, il est vraiment collé à lui, hein. Bon, on va passer en mode Dead Eye pour être sûr de pas le toucher. Ça va pomper, mais je vais attendre que sa tête bouge. Voilà. Hop là. Wow. Ok, on va passer au fusil à verrou. Wow, doucement. On va récupérer un peu de vie, j'ai pas envie d'utiliser un médicament. Surtout que j'ai oublié d'en racheter, j'aurais peut-être dû faire ça. En tout cas, ils sont un peu plus dangereux déjà, vous voyez. Niveau... on va dire précision et dégâts, ils sont un peu plus dangereux que les bandits de base qu'on avait eu jusque là. Oula. Eh, mais je te vois toi, alors pourquoi l'autolock il marche pas? Autolock, location d'auto. Non, rien à voir. Vas-y, recharge. Sauver Reyes. Ok, yeah. Yeah, ouh. Ok, vas-y. Hop, yeah. Sors ton Mauser. T'inquiète, c'est l'heure de fouiller des cadavres. Vas-y. Qu'est-ce que t'as? Faire les poches des morts. C'est encore plus drôle que de les provoquer. Non, je... Allez, ouais, j'arrive. Il y a de la TNT partout, là. C'est quoi ce champ de bataille? Ok, c'est toi, Reyes? Luis a sent me. We have to meet her by the river. Yeah? Luisa, the girl you're marrying. Oh, yes, such a devoted thing. El amor de mi vida. Quick, find us a horse. You will have to ride. I am too. Ouais, t'inquiète, je vais te trouver ça. Il y a toujours des chevaux là où on en a besoin. Oh, regardez, des chevaux. Allez, on va prendre celui-là, il ressemble un peu à Michael. Emmenez Reyes avec vous. Sinon, je peux pas prendre le mien. Non? Non. Oh bah, je dois reprendre un cheval qui n'est pas à moi, ça promet. Je n'ai pas la barre d'endurance complète. Vas-y, viens. Come on. Oula, il est monté instantanément, c'était un peu bizarre. Sortez de El Presidio avec Reyes. Ok, on va faire ça. Par ici, hop là. Oh. Ah, c'est un ami. No, behind you!
Wow, ok. C'était un peu pas propre, mais c'est pas grave. On recharge. Pas besoin de recharger balle par balle, ça recharge le tout d'un coup. Ok, on va suivre simplement, comme ça j'aurais pas besoin de consommer d'endurance pour le suivre. Ouais, tu sais, vous voyez que la barre devient verte, ça je l'avais déjà expliqué il y a longtemps, mais je leur explique au cas où quoi. Donc c'est bien pour éviter de devoir tapoter A comme un abruti. Hop, par contre là on va devoir faire autre chose que tapoter comme un abruti, on va devoir faire quelque chose d'un peu plus skill-like. Genre tuer au Deadeye, c'est tout. Ouh, ça a failli mal tourner. Ok, il y en a encore ici, je devrais pouvoir les abattre sans le Deadeye. What is your name, my friend? John Marston. Oh, the American who is working for Allende. I ain't working for nobody. I'm here because Luisa asked for my help. As I thought you were a friend of Allende's, I was planning on putting a bullet in your back. Uh-huh. Well, try to resist the urge. How do you know my young lover, Laura? It's Luisa. I saved her life not so long back. I will not forget this, compadre. You will be rewarded. Money, women, Luisa, if you want her. We have two men, and that's it. You've been spending too much time with Captain De Santa. Very funny. Not like that. I'll explain later. D'accord, ok, c'était très ambigu. I will write a poem about this day. Super. This is from a man who was tied to a post with a gun in his face a few minutes ago. I wish I could see Agenda's face when he finds out that I defeated 100 of his men. Pardon. Just get on the back of this horse, my friend, and you barely managed that. Non, désolé, John. Là, je suis pas d'accord. Il est monté instantanément. C'était assez stylé. Ça y est, on a fini. Rejoignez Luisa avec Reyes. Ok, bah, je peux plus le suivre automatiquement. Dommage. Je me souviens d'elle à présent. D'accord. Abraham, Mr. Marston. Oi. The revolution will live on thanks to you. Yes, indeed, John. You are as a brother to me. And my people need a man such as you to help our cause. My ranch is in Agave Viejo. And let me say, my brother, that we await you. D'accord. Well, best of luck to both of you, but I need to find two men so I can return to America. No problem. I will help you find those men. And in return, you will win a people her freedom. Oh putain. Ok, je crois qu'il y a un gros malentendu entre les deux déjà. Je suis obligé d'assister à ça. John, va-t'en. John. John. John! John! Petite cigarette. Hop! La classe! 200 de réputation, 50 d'honneur, et ça fait des chocs à pic, peut-être. En tout cas, on a un nouveau repère, le D. Pour Abraham Reyes, je suppose. Eh, hey, Michael, reviens! Reviens! Stupide canasson, mais reviens! Je te hais de toutes mes forces. Ah, merci. Grave petit Michael. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on poursuit aveuglément l'émission? Oula, ça rame un peu. Est-ce qu'on poursuit aveuglément l'émission pour... Ah bah attendez, c'est De Santa. On a une nouvelle mission pour lui. Donc c'est probablement une mission, on va dire, d'interlude. Il y avait une plante ici, je crois que c'est une figue de barbarie. Por favor, no, mi familia me necesita. Faut que je le sauve. Ok, on va faire ça. Hop là. Hop là. Hop là. Wow. Oh, fuck. Bon, je suis recherché, mais j'ai sauvé quelqu'un. Non. Ouais, de toute façon, la prime finira bien par s'éteindre. Enfin, par s'éteindre. Par se calmer. Après tout, j'étais en pleine nature, donc... C'est ça, non? Non, ça va pas marcher, je vais rentrer en ville, je vais me faire décimer, c'est ça. Ouais. Je vais mourir. Bon, pour ma peine, je vais les fouiller. Voir ce que ces trous ducs avaient de précieux sur eux. Voyons voir. J'avais vu une figue de barbarie sur le côté de la route. Viens, Michael. Je vais voir si je peux la récupérer. Je sais plus si j'en suis aux figues de barbarie ou alors je les ai déjà fait. Je sais plus. Je sais plus. Ok, qu'est-ce que c'est? On dirait de la lavande. Trichostema lanatum.
Ok, ça c'est un nom à la con. Oh, Michael. Oh. Mm. Et ça ne fait rien. Probablement parce que le défi n'est pas encore activé et que j'en suis déjà à une autre, j'en suis encore à une autre plante avant de faire celle-là. Ouais, c'est la seule explication. Je vais voir déjà où j'en suis, moi, au niveau de ma prime. Faut que je me téléporte ici, mais j'ai vraiment peur de me faire défoncer en arrivant. On va prendre le risque. Ça valait le coup de sauver cet homme. Il était probablement innocent en plus. Je suis un justicier maintenant, je suis du côté des rebelles. Hein, parce que j'ai marre de travailler pour ces porcs là, les mecs qui font des orgies. Flippant. Téléportation power avec un petit chargement. Et en arrivant, bah, on va voir ce que De Santa nous veut. A mon avis, c'est un piège, mais je pourrais me tromper. Parce que la dernière fois, c'était quand même un piège le coup du. Ok. Apparemment, ils ne m'agressent pas, donc je dois être en bon terme avec eux. C'est cool, c'est cool. Ou alors, c'est parce qu'il n'y a pas de témoin. Ouais, c'est probablement parce qu'il n'y a pas de témoin. Parce que les trois mecs, je les ai exécutés dehors. Il n'y a pas de témoin, pas de preuve. Donc voilà, c'est pour ça que la prime n'est pas restée. Les lâches meurent qu'une fois. Je sais pas, j'ai pas le temps de lire. Ok. J'ai déjà peur de ce qu'il va me demander. Oh putain. Look at that ass, huh? Magnificent. I'll save her for later. Or I'll kill her and all her family. Probably rebels anyway, huh? Anyways, it's good to see you, amigo. Good to see you. Aye. You know, you are a rare find. A gringo who is also a friend of our country. Bienvenido. We welcome you. Mm. Okay. Bad, relax, relax. I have some wonderful news for you. Ah. Wonderful, in fact. You know the men you hunt? They have been captured in Chupa Rosa. I want you and De Santa to ride out there, and then you can take possession of them. It is my gift to you for all your help, senor. Although part of me wishes that you would remain here and enjoy more of our hospitality, huh? No. Thank you. If it's all the same, I'd like to collect the men. I have a wife and son at home whom I miss. Ah, don't we all, amigo? Don't we all? C'est un proverbe local. I want you to take care of Senor Marston. Vámonos, cabrón, go, adelante. mi amor, Il me dégoûte. J'ai hâte de lui loger une balle entre les deux yeux. Ok, un chariot, super. Monter avec De Santa. Pourquoi vous m'obligez à faire des trucs comme ça? J'ai pas envie. J'ai pas envie de monter dans une diligence et encore moins avec De Santa. Non, vraiment, c'est... Ouais, vas-y, regarde-moi. Toi, t'es mort dans pas longtemps. Le plus tôt possible, avec un peu de chance. J'étais en train de monter. Bon, on va passer le trajet, j'ai pas envie de lui parler. Non, sérieusement, j'ai pas envie. Je suis sûr que je manque plein de gags très drôles, mais... Je suis pas d'humeur. Voilà, c'est juste ça. Je suis pas d'humeur à écouter ce gars. Entrer dans Chupa Rosa, c'est pas comme si j'avais vraiment le choix. Hein. Oui, bah laisse-moi descendre. Ah voilà. Ils sont dans l'église. Ok. Affronter Williamson et Squella dans l'église. Ok. Apparemment, ils ont pas été complètement capturés. Oh, doucement toi. Ok. Bon, je vais sortir mon Mauser. Non, rengaine pas, John. J'aurai besoin que tu le gardes à la main pendant un petit moment. Non, garde à la main. Ok. Ça pue le piège à con quand même. Ouais. Mr. Marston. Gracias. Service to this land. Mais John, fallait s'y attendre. Ah là là, John, des fois t'es un peu naïf, hein. Levanten esta pizza mierda.
Marston! Hey! Marston! You have betrayed this land enough. I hope you have a clear conscience, because you're about to meet God. Hop là! Plot twist! Ok. Alors, on est attaché, on n'a pas d'armes. On court! Cours, John, cours! Entre! Non, je peux pas entrer. Ok, comment je monte? Ah, ici. Hop là. Ah, ça me rappelle quelques scènes de Metal Gear, ça. Ouais. Ouais, tout à fait. J'ai juste un couteau. Récupérez vos armes et éliminez-les. Ouais, on va la jouer Metal Gear vraiment littéralement. Dégage. Ok. Ok, on va y aller. Mes armes sont ici. Dans le coffre. Parfait. Le Mother. Ah. Fuck. Ah, de me coller. Ok, on y va. On avance. Wow. Pourquoi ça a pas marqué lui? Ok. Oh. Ok, il y a un boss dans l'église, ça doit être de Santa. Je vais essayer d'éliminer les deux qui sont dehors parce que je pense que ça fera plus propre de les tuer au lieu de les laisser en vie. Hop là, merde. Faut que je me mette assez loin parce que je vais pas réussir à les viser. Où est-ce qu'ils sont? Allez, monte ta tête. Mais sérieux, c'est vraiment le bordel hein. Oh là là, vous êtes chiants les mecs. Ah, j'ai une idée. Yeah! Dynamite! TNT! Yeah! Crève pourriture communiste. Comment? Oh lol. Mais il est où? J'arrive pas à l'avoir. Sérieux? Bon, tant pis hein. Je vais aller chercher De Santa et je vais en finir avec un fusil à pompe. Fusil semi-automatique, bien sûr. De Santa! Viens ici, mon loulou. Oh, attends, je vais m'occuper de son pote là. Voilà! Vas-y, recharge. J'aimerais bien donner le châtiment du couteau à De Santa, mais ça va être. Ça va être tendu, je préfère m'en occuper. Eh hey, merde, c'était pas De Santa. Ah, j'ai cru que je l'avais. My brother. Today we have proven that the days of this evil regime are numbered. Je me sers une petite tasse de thé. Soon we shall be free, living together in a noble republic, justly ruled by fine men. But, el trabajo, the job is not done. Our struggle is not over. We will fight all day and night until local tyrants like Allende are no more. Joli discours. Him and all his dogs are brought to the sword. We shall John, rien à foutre. Ok, souvenez-vous bien de ces mots. Souvenez-vous bien de ces mots. Viva México! 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 México!
Jan, vraiment rien à foutre. Hein. Ça lui passe loin au-dessus. Petite cigarette encore. Hop. 250 de réputation. Honneur plus 50. On va bien finir par avoir un bonus, un de ces quatre, à force de faire des missions. Et d'ailleurs, je suis très tenté d'en refaire une. Allez. C'est bien parce que c'est en ce moment, j'ai un peu de mal à enregistrer souvent que je fais ça. Ok, on va faire une nouvelle mission. Pour qui? Pour Luisa ou pour Ray? J'hésite. On va aller pour Luisa parce que c'est la seule qui soit vraiment honnête dans tout ce tas d'ordures que je passe mon temps à aider. Un petit voyage rapide, ça fait pas de mal. Ok, c'est parti. Et d'ailleurs, ça m'a changé de vêtement. Je vais remettre ma magnifique tenue qui est le cache-poussière. Oh, je pourrais peut-être en mettre une autre. Attendez, j'ai quoi? Non, j'en ai que deux. C'est vrai que je pense à débloquer des costumes. Ça pourrait être rigolo de voir un peu Marston dans d'autres tenues. Faire les objectifs pour les obtenir. Généralement, c'est juste des missions courtes que vous avez à faire. Par exemple, il y a un costume, il requiert que vous fassiez toutes les missions de patrouille de toutes les villes, les patrouilles nocturnes, où vous vous baladez avec le chien et vous arrêtez des crimes mineurs comme des mecs en train de se battre ou... Voilà, c'est ce genre de truc. Un mec en train de tirer sur un animal ou je sais pas quoi. Ok, Luisa, c'est parti. Donc c'est assez simple à obtenir certains costumes. Il y en a d'autres, faut faire les défis, hein, je l'ai déjà dit, je le répète. Donc faut attendre d'avoir visité toutes les régions pour avoir accès à tous les requérements, on va dire. You want trouble, friend? Manos arriba. Antilas. Tranquilo. Tranquilo, amigo. Tranquilo. Tranquilo. Ouais, il va falloir que t'enlèves bien plus que ça si tu veux me désarmer. Marcy. El mundo es muy difícil. Tenemos que jugarlo bien. Ah, Mr. Marston, I knew you would come. Thanks for the welcoming committee. I'm sorry, we cannot be too careful. The world is very dangerous. Especially when you greet it with a gun. Please. Mr. Marston, my father was killed yesterday. The army found him and accused him of treason. They cut out his heart and fed it to their dogs. Allende did this. Non, m'étonne pas. He took the honor of two young girls. D'accord. C'est du alien des trous crachés, tout craché. His death must mean something. It'll mean that war is brutal and unnecessary and good people die. Exactement. That's all it will mean. Voilà. That is not enough. You know I'll do whatever I can, but I have problems of my own. We all have problems. This is about the people. My father died for his people. For these men and for millions like them, that they may be free. While there are guns. Money, there won't be any freedom, Luisa. Voilà, quand je parlais de sous-entendu politique. Allende knows this and has sent for reinforcements. Abraham Reyes asked personally that you stop them reaching Escalera. They are coming by the old trail. You must ambush them. I have my own family to worry about. Mr. Marston, I have lost my father. My mother is in the United States. My sister has fled. I have no family. Just because. Please. Good actions make you a good man. No shit, Sherlock. Then I'm doomed. But I will help you. Out of respect for your loss. Ah. John, t'es vraiment, vraiment trop awesome. T'es le meilleur, John. Come on. The army convoy is already on its way. Oh non, encore une délégeance. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai envie de l'écouter un petit peu. Mais apparemment, elle ne va rien dire. On va voir un petit peu. Coucou Michael. Ah. Attendez, excusez-moi, je vais regarder si on doit aller loin. Non, désolé, je passe. Hein. Je suis désolé, hein. Vraiment, je suis désolé, mais...
si je continue de mater les trajets, les let's play, après ils ont 10 minutes où il n'y a rien, quoi, où je peux juste vaguement ponctuer les échanges de blagues pas très drôles. Non, excuse-moi. Ouais. Been a long time. Good, because we do not. You will man the detonator. My men are waiting there for us. They will also need your help setting up the dynamite. Ouais. I'll do my best. We will do this for my father, John. Bah ça promet d'être intéressant comme épisode, on va poser de la dynamite. There they are. These men will help you ring dynamite on the road. Please tell them where to place it. Okay, follow me, gentlemen. You are the expert gringo. Montrer aux rebelles où enfouir les explosifs sur la route. Je sais pas. Marquer un emplacement sur la route. Faudrait que je sache si déjà ça va tout faire péter d'un coup et est-ce qu'ils seront éloignés, est-ce que le convoi sera aura des vagues, enfin des est-ce que le convoi sera on va dire distancé entre chaque diligence, je sais pas. Faudrait savoir ce genre de truc avant de placer des explosifs. Vous ne pouvez pas trop vous éloigner du détonateur, la longueur de mèche est limitée. J'attends que le tutoriel m'explique. Ok, bah il a fini de m'expliquer apparemment. Bon, on va poser ça au hasard. Au pire, je sortirai mon flingue. En espaçant suffisamment les charges sur la route, vous aurez plus de chances de détruire tout le convoi. Bah ouais, je veux bien, mais il vous reste 4 charges à enfouir. Bon, on va essayer de séparer ça bien. Là, ça a l'air d'être plus ou moins bon. 2 charges à enfouir. Ok. Ça m'a l'air d'être bon ici. Il y a un train qui passe. Cet emplacement n'est pas visible depuis le détonateur. Ok. Ok, bah j'ai carrément merdé parce que du coup là j'ai plus de place. Peut-être plus en arrière. Il me reste combien de temps? Est-ce que j'ai le temps d'aller voir si de ce côté là je peux en placer une? Parce que là je crois que je les ai trop espacés du coup. Ou alors, je peux en mettre une ici. Perfecto. Voilà, j'espère que ça va être bien. En tout cas, ça a l'air d'occuper toute la longueur de la route. Donc, on va attendre de voir. Au pire, je les finirai tous avec mon flingue, hein, comme d'habitude. Je crois que c'est ce que j'ai fait de la dernière fois que j'ai fait cette mission. Et la première fois aussi. Bon, on va voir. Oula. Allons voir le détonateur. Et on va voir comment ça sort. Get ready, John. Ok. Bon. Petit dézoom sur la... Oh, merde. Petit dézoom sur la carte, comme ça je pourrais surveiller. Votre cheval ne vous a pas trouvé, ouais, t'inquiète. Ok. Non, merde. C'est pas ce que je voulais faire. J'essaie de reculer la map, comme ça je pourrais surveiller si les convois, ils sont tous alignés sur la dynamite. Ils sont où? Ah, allez, voilà. Ah ouais, d'accord. Je sais même pas dans quelle ordre ça va péter. Détruisez les chariots. Appuyez sur right trigger pour faire sauter la charge sélectionnée. Je vais changer de charge avec LS. Ah d'accord, je choisis la charge qui va péter. Bon bah je suppose qu'on va faire péter d'abord celle-là. Regardez autour, poussez le détonateur right trigger. Donc faut que j'attende qu'il passe sur celle-ci. Ensuite il y aura un autre convoi qui va passer sur la deuxième. Puis sur la troisième, puis sur la quatrième, puis sur la cinquième. Donc en fait, il y a peut-être moyen. Ok. On va être bon. Go! Ok. On va attendre le deuxième convoi. Qui est juste là. Ou alors c'est tout le convoi ça. Oh putain, je suis en train de faire n'importe quoi. Bon, il y a le convoi qui arrive, donc je vais attendre qu'il se passe dessus. Vas-y, avance, petit.
Je vois rien. Regardez le convoi, mais il en reste plus qu'un. C'est fini déjà? Je pensais qu'il y en aurait plus que ça. C'est fini. Il reste d'autres dynamites. Bon bah je fais dans l'économie hein. Thank you, Mr. Marston. We are a step closer to power. My father would be very proud. I hope it was worth it. I must return to Campo Mirada. Meet me there when you can. I will do my best to return the favor. Bah j'espère parce que il serait temps que les gens commencent à se montrer comment dire reconnaissants. Ok, bon bah on a économisé de la dynamite, c'est bien. Ah, 125 d'honneur, vous êtes le justicier que l'Ouest attendait. Les autorités et les témoins ne vous dénonceront qu'en cas de meurtre. Oh, trop bien. Ça veut dire qu'en fait, si jamais par chance, quand je fonce avec un cheval dans quelqu'un, s'il ne meurt pas, bah je serai tranquille. Avec tous ces chevaux qui sont morts. Et ça veut dire que je peux cambrioler. Je peux carrément cambrioler un magasin. Bon, de toute façon, j'en ai pas vraiment besoin, mais je peux cambrioler un magasin et je serai tranquille tant que je tue pas le propriétaire. Michael. Tant que je ne tue pas le propriétaire du magasin. Ou qu'il ne se suicide pas sur une barrière. Non, mais sérieusement, quoi. On va faire une petite sauvegarde et puis on va s'arrêter là. Hein, bah, ouais, c'est dans la moyenne. Donc, c'est un épisode de temps moyen, enfin. Je pense que c'est un bon moment pour arrêter. Si je repars dans une autre mission, ça risque de durer encore un petit moment. En tout cas, on a bien avancé aujourd'hui, c'est pas mal. Alors, la petite sauvegarde ici. Sur celle-ci. Allez, c'est parti. Donc, merci d'avoir regardé, portez-vous bien et on se retrouvera la prochaine fois dans ce Let's Play de Red Dead Redemption. Bye!